Alors, pensez-vous que l'immigration a apporté quelque chose au pays? Alors là, je dis rien. C'est à vous de me le dire. C'est à vous de me le dire. Puisque si on parle d'immigration, et donc de citoyens français que vous êtes. C'est venu des attentats du mois de janvier 2015. L'État a décidé de rajouter des moyens dans les quartiers prioritaires du pays. L'État nous a demandé de travailler sur les sujets qui sont la laïcité, la citoyenneté, le mieux vivre ensemble. L'idée, ça a été donc dès cette pré-rentrée de rencontrer les enseignants avec l'ensemble du corps éducatif, que ce soit les infirmières, les proviseurs, les CPE, tout le monde, qu'on puisse échanger sur cette question et de se dire comment on va mettre en œuvre ce projet. Moi, il y a longtemps que je voulais aller au musée de l'immigration avec mes élèves. Ils ont beaucoup apprécié, je pense, cette visite parce que ça leur parlait aussi, ça leur évoquait des choses qui les concernent de près par rapport à leur famille, leur parcours. De retour en classe, on a surtout travaillé le thème de laïcité d'abord parce que ça correspondait à un thème qu'on abordait en éducation civique. Et on a débattu aussi sur le thème du droit de vote aux étrangers. Bonjour à tous et à toutes, c'est avec plaisir que l'on se retrouve aujourd'hui pour notre émission Radio Picasso. Radio Picasso, c'est celle qu'il vous faut. Voici le sommaire. Chronique d'enchanteur, conflit israélo-palestinien, le saviez-vous, chronique sortie des films et l'album PNL. Ce sont des thèmes sur lesquels ils travaillent depuis qu'ils sont à l'école, depuis qu'ils sont au collège, et des thèmes qui se sont quand même appropriés. Hein, faut pas... C'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que ce sont des enfants qui connaissent bien l'école laïque, la République, et qui finalement vivent dans cette liberté et l'aiment. Comment on devient policier ? Voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Quels sont le parcours scolaire qu'il va falloir mettre en place pour ceux qui voudraient faire mon métier. Voilà. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, dans l'échange, certains n'ont peut-être pas eu un jour déjà l'occasion de rencontrer un policier, d'échanger sur ce que je fais au quotidien. On est là pour assurer en fait votre sécurité. On est là pour assurer la sécurité du citoyen. On assure la sécurité aussi de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le paysage de votre ville? Il y a des citoyens? Des bâtiments publics. Des bâtiments publics, bien. Voilà. Ils sont allés voir un architecte, ils sont allés voir, on est allé plusieurs fois au musée des Beaux-Arts, musée de la céramique, etc. pour rencontrer justement des gens et parler de la place du citoyen dans notre ville. On s'aperçoit qu'il faut faire des passerelles entre les différentes disciplines, entre les différents projets pour donner sens à nos élèves, pour donner sens à leur apprentissage, pour donner sens à leur place de jeunes dans la ville. Je pense qu'ils ont besoin de se sentir pleinement citoyens de quelque part, et particulièrement ici de Saint-Étienne. J'avoue que des plaisanciers ont trouvé une nouvelle île en mer Méditerranée composée exclusivement de corps de migrants. Hein, on arrête d'y aller. Merci de m'avoir écouté. David Sardou qui sont autant abattus que moi parce que nous sommes contents. Voici, puisque c'est un beau jour pour lui, c'est la journée sur Inter, c'est la journée de la sortie de son album qui s'appelle Palermo Hollywood. Benjamin Bullet est en live avec la débandade de Benjamin Bullet. Non, c'est pas ce qui est marqué sur le conducteur, si tu le regardes bien. Il y a marqué qu'il fait l'introduction du présentateur et ensuite seulement il y a l'indicatif de tapis. Voilà. On recommence ? Ouais. Je
Vous écoutez France Info, il est 14h25. Alors voilà, bah donc on va faire une émission de à peu près 6 minutes. Il y aura plein de choses qu'on va raconter. Et puis je propose que d'abord nous passions au Flash Info. Alors je n'ai pas entendu l'attaque, il faut que j'en... Non, coupe-le. Envoie-le bien d'abord.